Et Jean-Michel Bérégovoy, candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Rouen, prochaine municipale, c'est Stéphanie Jus qui vous interroge ce soir. Alors, Jean-Michel Bérégovoy, pour commencer, j'aimerais faire votre portrait, si vous me le permettez. Alors, vous avez 47 ans, vous avez constitué une liste, Rouen 2014, citoyenne et écolo, composée de militants Europe Écologie Les Verts et de citoyens sans étiquette. Vous êtes aussi instituteur sur les Hauts-de-Rouen, conseiller municipal, et pour ceux qui vous connaissent mieux, vous êtes aussi fan de rock, d'histoire et de Jean Jaurès. Fan de rock, fallait pas me dire ça. Fallait pas me dire ça parce qu'on a reçu rapidement, on a reçu le président du conseil régional, Nicolas Meyer-Rossian, et on s'est aperçu, on en a parlé d'ailleurs ensemble dans Parole de décideur qui a été diffusée sur l'antenne hier soir, qu'il aimait la guitare, il a reconnu des airs de Dire Straits. Je m'arrête là. On est dans une. Je suis moi-même guitariste. Ah, vous êtes guitariste Ouais. aussi? Bon, eh bien on se reverra sur le sujet. Pas de Alors souci. Jean-Michel Bérégovoy, vous avez géré la mairie avec l'équipe actuelle. Or aujourd'hui, vous présentez une liste concurrente. Alors cette désunion ne risque-t-elle pas de faire le jeu de la droite? Ouais, je crois pas que ce soit de la désunion, je crois que c'est simplement normal, à la fin de la séquence, hein, qui a duré 6 ans, de faire le bilan et puis d'offrir des perspectives aux Rouennais. Les perspectives que nous proposons ne sont pas forcément les mêmes que celles de nos partenaires ou de ceux de nos adversaires. Et la démocratie, je défends suffisamment la démocratie. J'étais moi-même adjoint pendant 3 ans à démocratie participative, où j'ai fait un gros travail, avec pas seul, avec les habitants. Et c'est normal d'aller au bout de la logique, c'est-à-dire de proposer un projet et une méthode. Le projet, on est en train de l'exposer, on va en parler dans quelques minutes, mais la méthode, c'est une méthode, effectivement, on redonne la parole aux citoyens, on veut de la proximité. C'est pour ça que Europe Écologie Verte s'efface un peu. Puisque 60% de notre liste environ sera composée de citoyens engagés, alors soit engagés par leur rôle dans les associations, par leur rôle professionnel ou tout simplement des fois dans leur rôle dans leur quartier. Donc c'est ça qu'on a voulu créer et je crois que c'est une belle alchimie, c'est une belle histoire qu'on est en train de vivre. Je disais l'autre jour à la présentation notre programme à l'Almandra dans une salle vraiment pleine, c'était juste l'équipe de campagne, on était presque une centaine. C'est une belle épopée qu'on est en train de vivre, en tous les cas une vraie histoire humaine et moi j'aime ces histoires humaines. Alors, votre slogan pour la campagne, c'est Décidons Rouen. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la circulation en ville qui n'a pas déjà été fait? Bah, ce qui n'a pas été fait, moi je vais refaire un petit peu d'histoire. Quelques semaines avant ce malheureux incident qui s'est passé sur le pont Mathilde, nous étions en débat au conseil municipal et nous demandions la mise en service de nombreuses places de parking relais sur notre agglomération et à l'entrée de notre ville. Et je me rappelle du débat où. Un certain nombre de nos partenaires nous disaient, mais c'est pas possible, vous vous rendez compte, c'est très difficile. Quelques semaines après, il y a eu cet incendie qui a les répercussions que vous connaissez. C'est difficile aujourd'hui pour les gens. Et du jour au lendemain, des places de P+R, parking relais, se sont trouvées. Nous, on pense qu'on peut aller plus loin. Par exemple, quand on propose de faire une passerelle sur l'île Lacroix qui donnerait sur le Pré du Loup, parce qu'ici, il y a la place de mettre un P+R demain. Et ça réglerait non seulement les problèmes de circulation d'entrée de ville, mais ça réglerait aussi l'entrée de la circulation d'entrée d'île Lacroix quand il y a des jours de match. Donc il faut absolument trouver des solutions, parce que la pollution atmosphérique, on va en parler certainement plus tard, mais est aussi liée à toute cette circulation. Je rappelle quand même un chiffre, hein, c'est plus de 100 morts par anticipation. Alors bien sûr, ce n'est pas des gens qui meurent directement devant nous, mais c'est les morts à cause de la pollution atmosphérique, notamment à cause des microparticules. On sait d'où elles viennent, essentiellement des transports, et notamment des véhicules, camions, voitures, etc. Et ce n'est pas un petit chiffre. Ça veut dire qu'on est là non seulement face à un problème de société, un problème de santé publique, un problème démocratique aussi. Donc on veut des solutions. On ne dit pas qu'il ne faut pas de voitures en ville. On dit simplement qu'il faut réguler tout cela. Il y a besoin de voitures en ville, mais il y a aussi besoin que les déplacements doux fonctionnent. On a besoin que les piétons puissent se marcher en toute sécurité. Peut-être On que a vous besoin. voulez donner une priorité au transport en commun? Ah ben les transports en commun, c'est une évidence. Nous avons été les artisans de la ligne 7 sur la ville de Rouen. Alors, c'était un projet qui était avant l'histoire du pont. On a vu que quand le pont a flambé, cette ligne 7 est devenue véritablement une ligne de survie. Bien sûr que. Et ça a été compliqué de convaincre nos partenaires à l'époque. Moi, je me rappelle très bien, avec Cyril Moreau notamment, qui est notre responsable à la Créa, comment il a été difficile de convaincre qu'il fallait non pas faire une ligne site propre sur l'ensemble de la ligne, mais sur les points noirs, notamment sur la rive gauche,
les ponts et bien sûr sur la rue de la République. Aujourd'hui, ça améliore la vie de milliers de gens qui sont des usagers de cette ligne. Alors, il y a des difficultés. On ne les nie pas, pour un certain nombre de commerçants, c'est évident. Donc ça veut dire qu'il faut regarder ça après, retraiter au cas par cas. On pense que c'est développer les transports en commun aujourd'hui, c'est à la fois redonner du pouvoir d'achat. Je rappelle que l'utilisation d'une voiture, selon où on se trouve dans l'agglomération, si on la prend tous les jours pour aller travailler, c'est entre 300 et 600 euros de frais par mois, mensuels. Quelqu'un qui prend le transport en commun et qui a un plan de déplacement d'entreprise, il va payer entre 15 et 20 euros par mois pour exactement la même chose. Donc il y a un enjeu majeur de santé publique, un enjeu majeur lié bien sûr aux questions de l'écologie, des pollutions, on le voit bien, liées à la santé, et il y a aussi un enjeu de pouvoir d'achat. Je pense que les transports en commun, c'est une question absolument centrale. Et là-dessus, on a d'autres propositions. La tarification solidaire, par exemple, on ne défend pas la gratuité, nous. On défend la tarification solidaire, comme ça a été le cas pour les cantines de Rouen. On a un quotient familial, on paye en fonction de ce quotient familial. Il y a des gens qui peuvent payer le prix fort et il y a des gens qui doivent payer un prix moins élevé. De la même manière, on propose qu'il y ait un ticket commerce. Les gens viennent le week-end faire acheter chez les commerçants de Rouen. Eh ben, on doit pouvoir rembourser ce ticket au premier achat. On demande aussi que le ticket d'une heure là, soit passé à 2 heures, ce qui diminue par deux le prix et ce qui permet aux gens de venir d'assez loin, de faire des courses en ville, d'aller pourquoi pas avoir un loisir en ville et de pouvoir revenir avec un seul ticket. Alors, c'est des choses qui sont très pragmatiques. Usagers, c'est très plaisant, mais est-ce que vous avez estimé le coût de toutes ces mesures et comment vous les financez? Ces mesures, le financement, c'est clair, c'est des choix politiques. Aujourd'hui, le coût pour la collectivité des transports, c'est environ, alors je ne dis pas le coût de création de nouvelles lignes, etc., mais du transport en termes de ce que rapportent les tickets, c'est environ 30 millions d'euros par an. Donc là, il y a des marges de manœuvre qu'on peut utiliser, parce que si on baissait le prix de ces transports, si on les régulait en tous les cas, ça ferait venir de plus en plus de gens dans ces transports en commun. Donc ça permettrait d'équilibrer. Maintenant, il y a des choix politiques à faire aujourd'hui par rapport à tous les projets qui sont devant nous. Moi, je préfère faire le choix du transport en commun, de massifier le transport en commun, à la fois avec des grandes lignes structurantes qui permettent d'avoir un vrai, aujourd'hui, report modal, des gens qui prennent plus la voiture, mais qui décident de prendre les transports, et en même temps de développer le transport de proximité, celui qu'on a absolument besoin, au Mont-Gargan, sur le quartier Grieux, dans le quartier Ouest, dans des quartiers qui aujourd'hui sont parfois très en difficulté par rapport à ce transport en commun. Et puis il y a peut-être des projets routiers dans notre agglomération, dans notre région, qui sont fort chers et qu'on ne peut pas aujourd'hui, dans les conditions actuelles, l'État lui-même le dit, financer. Faisons de ce transport en commun vraiment un objectif absolument important, déterminant des 6 prochaines années. Alors, mardi dernier, sur notre antenne, on recevait Jean-François Bur, le candidat UMP aux prochaines élections municipales à Rouen. Et lui, il pense revoir le plan de circulation en ville, à Rouen, en réintroduisant justement la voiture, en permettant à la voiture de reconquérir le centre. Donc ça semble totalement opposé à vos idées. Et votre projet justement de limiter la voiture, ça risque pas d'asphyxier le commerce de centre-ville? Quelles sont les principales rues qui fonctionnent à Rouen ou de toutes les grandes villes? C'est les rues piétonnes. C'est le plaisir d'aller faire du commerce de cette manière-là. Nous, on propose que les transports en commun soient au service aussi de ce commerce par les propositions que j'ai faites. Mais quand on propose une conciergerie dans les P+R, c'est-à-dire de pouvoir faire porter ses achats, ça c'est une proposition du 21e siècle. Jean-François Bur, bon, je sais qu'il a besoin certainement de se faire un peu connaître, mais il fait des propositions du XXe siècle. Enfin, et s'il se déplace en France ou en Europe, partout dans les villes de 100, 150 000 habitants, mais dans les grandes agglomérations, c'est le transport en commun qui aujourd'hui est massifié et non pas la voiture. Si demain on arrêtait les transports en commun dans la ville ou qu'on les limitait et que tout le monde venait en voiture, on asphyxierait la ville de Rouen et les gens ne prendraient aucun plaisir à faire leurs courses. Les zones de rencontre, les zones piétonnes, les endroits où on a pacifié. Regardez, tout le monde dit, on est pour quelque chose dans cette affaire-là, tout le monde dit que la place de la mairie est devenue agréable. Les gens ont plaisir à s'y retrouver parce qu'on a continué à laisser passer des voitures, mais on a réduit leur impact, on a massifié les transports en commun et on a permis des déplacements beaucoup plus, comment dirais-je, des déplacements beaucoup plus évidents, beaucoup plus fluides aussi, des transports en vélo, mais aussi
des piétons. C'est ça l'objectif du XXIe siècle, non pas de revoir en arrière. Enfin, je crois qu'il faut arrêter de vouloir faire plaisir à tous les lobbies. Il faut réfléchir à la société au regard de ses grandes évolutions et de ses grands objectifs en termes de lutte contre les dérèglements climatiques, de lutte pour la santé publique, et non pas de dire on va faire plaisir parce que deux, trois personnes nous disent qu'ils ont quelques difficultés. Je suis sensible aux difficultés des commerçants. C'est pour ça qu'on veut créer une monnaie locale. C'est pour ça qu'on veut quartier par quartier voir comment on peut préempter pour aider les commerçants à rester présents dans les quartiers. Mais il ne faut pas faire croire que le transport en commun est l'ennemi du commerçant. C'est une erreur absolue. Aller à Lyon, aller à Londres, aller dans tout un tas de villes, les transports en commun aujourd'hui génèrent du développement économique, du développement commercial et du développement touristique. Alors, en matière de pollution, quelles sont vos mesures concrètes pour la ville de Rouen, pour lutter contre la pollution ? Les mesures, on l'a dit, quand on développe le transport en commun, quand on régule la place de voiture, quand on évite aux camions de rentrer en centre-ville et dans le cœur d'agglomération, eh ben, on évite en grande partie cette pollution atmosphérique, notamment aux particules fines. Je l'ai dit tout à l'heure, mais si on va à l'échelle de la France, les dégâts sont considérables. À l'échelle de l'Europe, je crois, c'est près de 400 000 morts par an, ce qu'on appelle les morts par anticipation. Donc on est là devant des questions absolument déterminantes. Mais permettez-moi de vous dire une chose. J'étais, il y a quelques mois de ça, j'étais aux confrères de France 3 et on me posait la question sur Lubrizol. Et je disais à votre confrère, si quelques semaines auparavant, j'avais dit à l'antenne de France 3, pour les citer, qu'il y aurait une pollution qui sortirait de Lubrizol, qui se ferait sentir de Londres à Paris, on m'aurait dit, les écologistes, vous exagérez toujours un peu. Donc on voit bien que ces questions de la place de ces industries en cœur d'agglomération, de la place de ces camions en cœur d'agglomération, sont vraiment des questions qu'il va falloir traiter, mais qu'il va falloir traiter en concertation. Je défends, décideront, c'est la concertation. Ça ne veut pas dire qu'on va imposer aux gens, ça ne veut pas dire qu'on va imposer aux industries, ça veut dire qu'on va imposer aux camionneurs, ça veut dire qu'on va travailler sur ça. Vous savez, j'ai participé, j'ai même mené le projet en Muret à Rouen. J'ai supprimé 350 places de parking en centre-ville avec le soutien des commerçants, à la fois sédentaires, les commerçants du tour de la place, et de la rue Saint-Sever aussi, et les commerçants des marchés. Comment je l'ai fait ? Je l'ai fait en concertation. On a co-construit le projet. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un blocage, on discutait, on construisait une réponse collective. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas, on n'est pas là pour faire une politique punitive, mais au contraire, une politique qui est tournée vers le XXIe siècle. C'est vraiment absolument déterminant de le faire comme ça. Alors, est-ce que vous avez élaboré un scénario de second tour ? Et si oui, envisagez-vous une réunification avec la gauche au second tour ? Mais j'envisage tous les scénarios. Le scénario que j'envisage aujourd'hui, c'est d'essayer de convaincre d'être en tête. C'est de dire, il y a besoin d'un second souffle dans cette ville, dans cette agglomération, et face, mais y compris Europe Écologie Les Verts, je pense aujourd'hui que les partis politiques, y compris le mien, on est un peu dans cette consanguinité qui fait qu'il y a un rejet de la société. Pas parce qu'on a tort sur tout, on dit des tas de choses, mais il y a un manque de débat et pour beaucoup de citoyens, l'impression qu'ils ne participent plus à ces débats. Nous, on a voulu donner la parole à beaucoup de ces citoyens, à la fois dans nos rencontres. On a fait près de 30 réunions publiques dans l'ensemble de la ville pour constituer ce programme, pour constituer cette équipe, et en même temps leur donner la parole demain dans l'institution. Je crois que c'est ce type de liste qui devrait aujourd'hui emporter, d'abord susciter l'intérêt et ensuite certainement emporter les suffrages, parce que c'est une liste qui représente à la fois la ville en bas de chez soi, c'est-à-dire les gens, comment ils habitent, comment ils travaillent, comment ils vivent au quotidien dans leur quartier. Beaucoup de nos colistiers sont des gens comme ça. Nous-mêmes, je suis instituteur public, comme je dis souvent, depuis 17 ans sur de Rouen. Quand j'étais élu, j'ai continué à travailler. Et je disais même avec un peu d'humour, si quelqu'un n'était pas content dans le quartier, il savait où me trouver, il venait à l'école et me disputait. Et puis quand ils étaient contents, des fois, ils venaient me voir. Bon, des fois, ils me disputaient plus qu'ils venaient me voir, ça arrivait. Mais je crois que c'est ça, d'être ancré dans la société. Donc pour l'instant... Oui, mais la démocratie participative, c'est un beau concept. Mais à mettre en place, c'est lourd. C'est une méthode. C'est une méthode de concertation. C'est d'accepter de laisser un peu de son pouvoir quand on est un élu, de laisser un peu de sa connaissance quand on est un service technique et de faire rentrer des gens qui sont aussi des experts de leur ville, c'est-à-dire tout simplement les habitants. Alors, à leur place, quand on dit qu'il faut couper la ville en quatre et mettre des maires de secteur, vous entendez tous, telle ville est sale, telle ville a ce problème, les nids de poules, etc. Nous, on dit, sur les questions de la proximité, il faut rapprocher la décision des citoyens. Comment ? Avec des vrais maires de secteur qui ont vraiment les outils en termes de services, en termes de budget,
ces outils à la proximité, à la porte des habitants, et en même temps leur associer des conseils de secteur, des conseils citoyens de secteur, qui seraient des conseils municipaux en quelque sorte, de secteur, avec des représentants des conseils de quartier, des représentants des conseils d'école, des représentants des bailleurs sociaux, des représentants des commerçants, et de regarder, et puis bien d'autres. C'est-à-dire, il faut définir des associations, des centres sociaux quand il y en a dans le secteur, et décider les politiques. Ça évite qu'on dise « Ah, la rue a été faite peut-être que parce qu'ils connaissaient un élu ». Non, là, on regarde ensemble les programmes, et c'est des millions d'euros par an hein, que la ville, qu'une ville comme Rouen met dans ces programmes-là. Il faut qu'on ait ça de près. J'en ai un autre exemple sur la réhabilitation des bâtiments de la ville. Pourquoi on choisit telle école que telle école? Pourquoi telle crèche que telle autre crèche? Pourquoi tel gymnase que tel autre gymnase? Il faut qu'on en discute. Il faut qu'on discute avec ceux qui sont en capacité d'apporter aussi une réponse citoyenne, une réponse humaine, une réponse de proximité. Merci à vous, Jean-Michel Bérégovoy.